et que je vous bénisse pour vos présences. Je voulais commencer d'abord par le cheminement d'abord. Parce que nous avons décidé d'initier cet anniversaire-là pour parler aussi à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs. Et pourquoi pas même aux couples plus âgés. Alléluia. Ok. Je vous dis que toute jeune, si je me suis mariée jeune, j'ai fait la connaissance de mon mari. Mais d'une façon, c'est pas à l'église. Alléluia. Je t'ai dit ce soir, jeune fille, que tu peux être cachée quelque part. Et puis Dieu peut sélectionner quelqu'un. Et quand le temps favorable est donné, cette personne va même ne besoin le temps où tu viens de trouver là-bas. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce soir? Ok. Donc, il faut dire que, étant toute jeune, convertie à la maison, sage, bien sûr, soumis aux parents, surtout. Voilà que mon cousin, qui est celui qui préside ce moment, a un ami de classe. Et j'étais ami avec ce joli monsieur-là. Que je ne connaissais pas encore bien. Et un jour, il est venu à la maison. Et puis, il est venu rendre visite à mon frère, mon grand frère qui est là. Et quand il est arrivé, en fait, chez nous, l'ami de nos aînés ou de nos frères, là, ce sont nos amis. Donc, quand tu viens là, une fois que la cause est entamée, nous tous on cause avec toi. Voilà, c'est comme ça chez nous. Et quand il est arrivé, il a commencé à causer avec mon grand frère. On a causé aussi avec lui un peu. Il faut dire que depuis lors, lui, à son niveau là, il y a eu un déclic, voilà. Et moi, personnellement, le déclic n'était pas encore là. Et juste des années après, il a parlé de ça à mon frère, que vraiment j'aime ta soeur, je veux marcher avec elle. Mon frère s'est fâché. Il dit, pourquoi tu veux donner ma soeur? Pourquoi? Il dit, je vais faire d'elle une princesse baoulée. Et c'est une princesse baoulée ce soir, hein? Alléluia. Et juste après, nous avons commencé à marcher ensemble. Nous avons marché ensemble pour dire à toi la jeunesse aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi tu es pressé. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive là, quel que soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le trou dans lequel tu te trouves, Dieu enverra l'homme ou la femme de ta vie là-bas. Donc ce n'est pas la peine de venir et puis tu vas chercher comme ça, comme si c'est perdu. Ce n'est pas perdu. À chaque femme, son mari. À chaque mari, son épouse. Alléluia. Et c'est comme ça, nous avons cheminé pendant 9 ans. Alléluia. Je dis bien 9 ans. J'ai ma camarade de classe qui est là. Tu peux se lever. Kola Mawa, tu peux te lever. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Nous étions en année de BTS à la chambre du commerce et l'industrie. Elle connaît un peu mon témoignage également. Et pendant ces 9 ans là, je vous dis bien sans rapport sexuel. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse là, j'aime la sœur. Et puis 2 mois après, on te voit en train de coucher avec elle. Alléluia. Donc pendant ces 9 ans, sans rapport. Alléluia. J'ai dit sans rapport sexuel, c'est ce que je veux dire. Et nous avons commencé à marcher. Ça n'a pas été facile parce que j'étais très dur de caractère. Très dur de caractère. Lui, personnellement, était doux. J'étais très doux. Et nous avons cheminé avec la grâce de Dieu. Quand le moment de Dieu est arrivé, je suis allé voir mon père. Il a dit, ah, franchement, je vais me marier. Il dit, mais toi, tu es jeune quand tu es en année. Tu vas aller passer les amis, tu vas te marier. Il a dit, papa, je veux me marier. Il dit, mais tu es encore jeune, pour finir de... Il est actuellement là. Quand le temps de Dieu arrive là, je ne sais pas si c'est rappel, faut faire. Parce que si tu veux attendre après le temps de Dieu, c'est pas bon. Donc moi, je pense que le temps de Dieu est arrivé pour me marier, il faut que je me marie. Et puis, par la grâce de Dieu, nous avons fait la dot. Après la dot, c'est 2 ans après que nous sommes mariés. 2 ans après la dot. Sans rapport toujours. Alléluia. C'est-à-dire que 7 ans après notre rencontre, nous avons fait la dot. Et c'est 2 ans après, nous sommes mariés. Pour dire à toi qui es jeune, qui n'est pas encore rentré dans le mariage, ce n'est pas une course. Laisse tranquille. Alléluia. Lorsque le temps de Dieu va arriver, bien-aimé, tu vas me dire que peut-être que tu es en train de brûler. Mais celui-là même qui a placé ça, il a la capacité d'atténuer brûler là. Alléluia. Il a cette capacité là. Donc quand ça commence là, il faut te référer à lui, à Seigneur. Seigneur, tu m'as créé, tu as dit d'attendre jusqu'à mon mari. Voilà que je brûle. Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Ce Dieu-là même qui t'a fait en
crier, va te donner cette capacité de te maîtriser. Alléluia. Jusqu'au temps convenable, choisi par le Seigneur, pour que tu puisses convoler en offre et puis maintenant passer aux choses sérieuses. Alléluia. Donc je veux exhorter quelqu'un ce soir. La suite, mon chef va continuer cela.